Salut tout le monde, moi c'est Ami, elle c'est PE. C'est exactement ça. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Aujourd'hui, on est au parc national de Mesa Verde dans le sud-ouest du Colorado. Puis on vient voir un peu des trucs vieux. Des vieilles maisons dans le fond. Ça ressemble à ça. Donc ici, vous pouvez voir Amélie. Salut! Fidèle auditrice de mon show numéro 1. Donc là, je vais vous faire le tour guidé de la maison. Là, je peux pas rentrer dans la maison là, parce qu'on n'a pas encore les clés, fait que je vais vous le faire de dehors. Ça ici, ça va être la chambre à Amélie. Ça ici, c'est la mienne. Là-bas, c'est la bécosse. La salle à manger est au bout là-bas. Puis ben, c'est pas mal ça. Le reste, c'est juste des pièces de spare au cas où. Fait que là, on s'en va visiter le deuxième étage. On a des marches un peu plus redneck. Ouais. On a de la visite aujourd'hui aussi. Qui disait. Tu vois bien que ça marche pas. Ça marche pas. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce que tu me sens? Bon matin tout le monde. Donc là, on vient de se réveiller. On est parqué quelque part au beau milieu de nulle part, en plein Nouveau-Mexique. Hier, on a conduit 3 heures pour se rendre du parc Mesa Verde jusqu'ici pour se rapprocher de notre destination d'aujourd'hui. C'est le Chaco Canyon qui est au Nouveau-Mexique, qui va ressembler un peu dans le genre de, un peu des ruines et tout, mais ça va être un peu différent. Là, Amélie est en train de nous préparer à déjeuner dans la van. Petite omelette pour commencer la journée. Ça va être bon? Ça va être excellent. Une petite omelette avec des échalotes et du fromage. Yes! Juste à côté de où on était parqué cette nuit, il y a 3 chevaux en liberté. Maganer. Puis il en reste encore 10 à faire. On va essayer de s'en rendre. C'est parfait. À chaque fois, pas en tout. On a pris un chemin. Le chemin il était pas vraiment beau, mais on y allait doucement puis tout. Pis là, finalement, on s'est comme rendu compte qu'on a pogné une trop grosse bosse. Le coffre, il est un peu plus drette. Comment tu trouves ça, Pierre-Étienne? Je trouve ça croche. Un peu tannant, les péripéties comme ça. Problème résolu. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on a arrangé ça, ben j'ai spoté un morceau de bois qui était quand même assez gros sur la route. Je me suis mis de reculons, je me suis donné un élan, puis je me suis donné un swing. Puis ça l'a replacé douette. Étonnamment, il est très droit. Quasiment plus droit qu'avant. C'est ça. Fait que là, on peut continuer la route. Ici, beaucoup de trafic.
Regardez l'épaisseur des murs. Je pensais que j'étais épais, mais ces murs-là sont clairement plus épais que moi. Ouais, ça c'est vrai. Donc là, en tant que vrai Indiana Jones, on est à la recherche de pétroglyphes, mais vu que dans le temps, il n'y avait pas de cours d'art plastique, ils sont assez mauvais en dessin, fait qu'on comprend pas trop ce que ça veut dire. Ici, on voit qu'ils ont tenté de dessiner une brochette de poulet, puis un ananas. Ici, on peut voir qu'il n'avait pas compris que plus tu prends une brique grosse, moins que ça va être long faire ton mur. Ça a dû être long à créer. Là, on est rendu dans le Machu Picchu. On a voyagé dans le temps, puis on s'est rendu là, à vol d'oiseau. On va faire visiter un peu. Ici, c'était un grand bain. Là, c'est un autre grand bain. C'est qu'il y avait des grosses personnes qui habitaient ici. Ouais, il y avait besoin de beaucoup de bains. Ici aussi, c'est un bain. Là-bas aussi, c'est un bain. Ici, c'est des plus petits bains. Finalement, il y a juste des bains ici. C'est comme un village de bains. C'est parce que, tu sais, les dinosaures, dans le temps, ils se lavaient ici. Les gros dinosaures. Puis, il y avait des cages par-dessus. Fait que là, les Indiens qui habitaient ici, quand ils avaient faim, ils tuaient un dinosaure. Là, il y a un autre bain. C'est la douche, on va dire. Vous voyez qu'elle connaît pas très bien son histoire. Il y a un autre bain. Un autre bain. Un autre bain. Il y en a un autre là-bas. Puis en là, vrai, c'est que c'était pas des bains. C'était vraiment des maisons où les gens habitaient. Puis c'était comme un gros village ici. En fait, c'est quand même très petit. On se rend compte à quel point qu'on est chanceux de vivre dans les années 2000. Puis les gens mesuraient pas 6 pieds parce que les portes sont petites un peu. C'est bien, il avait compris le principe à air ouverte aussi. Les grandes pièces à air ouverte. Ah, un autre petit tunnel. Ah! Ici, d'après moi, c'est là qu'il écoutait la TV. Comme on peut voir, il n'y a pas trop d'éclairage, c'est sombre, c'est parfait pour écouter un match de hockey ou peu importe. Si au moins ça existait dans ce temps-là. Ah! Une autre salle de hockey. Ici aussi, c'est. Ben, dans le fond, les filles écoutaient leurs petites émissions, genre. Les frères Scott ici, puis les gars écoutaient le hockey l'autre bord. Ici, on a le mur d'Harry Potter. Fait que si tu cours puis tu rentres là-dedans, tu te crasses pas. On va regarder Amélie qui va l'essayer maintenant. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment, c'est à ça que ça ressemblait avant. Là. Il y avait des toits par-dessus les piscines. C'est des bains. Puis il y avait 2-3 étages, là, c'était pas de la petite affaire, là. Puis il y avait un gros sapin dans la cour arrière. Puis ici, on peut voir tous les bains. Il y en avait quand même plusieurs. Donc ici, on peut voir qu'il reste encore des ptérodactyles à l'état sauvage. Ils sont vraiment dangereux. Voici un des derniers ptérodactyles qui existent sur Terre. Can I be your superhero? Pour le reste du montage, on vous laisse avec des images qu'on a fait en Utah. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour savoir ce que vous avez préféré le plus, soit le premier montage avec les images et la musique, ou soit celui-là avec les vlogs. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions, on a tout notre temps pour y répondre.
superhero.